Good afternoon, everybody. So, I will talk continue following the last topic. You know, last topic is, if you remember, actually, it will prevent the suffering, because in this world, human beings and also other beings, we have a lot of different type of suffering. So now everybody wants to not facing the suffering. You try to avoid the suffering, but then when you really look, Buddha's teaching is most efficient, you know, efficient, and accomplishment of the Buddha's teaching and following the practice. This makes totally kind of. You don't need to face suffering, free from the suffering. So until get this result, still we have according with the many conditions, we have to face a lot of suffering. But if you know what kind of conditions makes creating suffering, then according with individual preference and convenient, then we can aware of this, we can make a little bit of reduce suffering. For not saying you reduce immediately, but we try to prevent the cause. So due to this, and then long term, slowly reduce the suffering. I think this is last time we talked a lot of different topics. So I will go continue today, because it's a very simple way. So regular basis, like daily life, and your own concept or vision. If you are aware of this, I thought that this will be very helpful. Bonjour à tout le monde. Je vais donc continuer le sujet, le thème qui avait été abordé la dernière fois. Si vous vous souvenez bien, nous étions dans le thème consistant à examiner la façon de prévenir ou d'éviter de générer de la souffrance. Qu'il s'agisse des êtres humains ou de tout être sensible, nous avons toujours à expérimenter ou éprouver de nombreux types de souffrances différentes, de nombreux mal-êtres différents. Tous les êtres cherchent à éviter la souffrance ou à ne pas souffrir, et pour cela, si l'on regarde avec précision, ce sont les enseignements du Bouddha qui sont les plus efficients pour nous mener justement au-delà de ce mal-être. Il s'agit donc d'actualiser l'enseignement du Bouddha ou encore sa pratique. C'est ce qui nous permettra d'être véritablement libérés ou affranchis de la souffrance. Mais jusqu'à ce que ce résultat soit manifeste, nous devons cependant rencontrer
du mal-être, faire face au mal-être, l'éprouver. Cependant, si nous savons quelles conditions créent ce mal-être, alors en lien avec notre préférence individuelle, eh bien, nous pouvons être lucides quant à cela et réduire ce mal-être. Donc, l'idée est d'essayer de prévenir les causes qui génèrent du mal-être. Et c'est ce qui fait que la souffrance ou le mal-être s'en trouvera réduit sur le long terme. La dernière fois, nous avons abordé différents points. L'idée ici est de continuer de façon très simple. Et ceci en lien avec notre vie quotidienne et une application régulière, sur une base régulière. Et donc, ceci doit rencontrer en fait notre propre concept, notre propre vision des choses. Et une fois qu'il y a cette rencontre, alors cela est très utile, très aidant. Last time also I explained like main key things in order to reduce suffering or not let face kind of conditions suffering. Actually, it's very important to understanding very simple way, logically, cause and effect, you know, and also link interdependent. I think this is a detail some of our friends, they will explain with the gateway knowledge, you know, so the detail. But actually, there is one like a technical way of explanation. But then if you simplify this, it's really regular basics, you know, just morning, wake up until evening, sleeping. So this basis, what we think, what we do, what do we take care, what we avoid, what do we try to apply, this is the like, you know, creating positive way and negative way, both creating cause of the conditions. We call this as a cause and effect, karma. And then also aware of the where we link a life of living conditions. Because if you're aware of this, always we can take care. If you're not aware of this, we can be linked with also lot of negative consequences. So therefore, these things, I ask some of our members here, explain. So I think they will explain. No, they will explain truth of suffering. This has been done actually already, yes. Interdependent. Okay, already done. So you already know this. So then for this, if you take care of this, this will be very kind of a tendency, habit, and also aware of how we, tendency and the habit, and we are living with this. Then like meditation, can give capacity aware of this. Due to this, then we slowly, we can make a little bit of way of lifestyle can change, you know, can change. Not saying change totally, but change habit. And due to this, then kind of naturally reduce the cause of the suffering. La dernière fois, nous avons expliqué les points clés pour réduire ce mal-être et ne pas avoir donc à rencontrer des conditions en fait de souffrance ou de mal-être. Pour cela, il est donc important d'avoir une compréhension simple et également très logique du fonctionnement des causes et des effets, ceci en lien avec la manifestation en dépendance ou l'interdépendance, telle que cela a pu notamment être expliqué dans l'entrée sur la voie des pandites. Alors, l'explication dans l'entrée sur la voie des pandites est une explication technique, mais il est possible de la simplifier pour l'amener à une utilisation ou un emploi régulier, c'est-à-dire à l'avoir depuis le matin, lorsque l'on se réveille, jusqu'au soir où on se couche. Il s'agit en fait de voir de la mettre en œuvre dans ce que nous faisons, dans ce dont nous prenons soin,
dans ce que nous essayons également d'éviter ou de prévenir, etc. En fait, peu importe qu'il s'agisse d'actions néfastes ou d'actions bénéfiques, l'idée est d'être lucide quant aux causes que l'on crée. Et donc, nous créons ces causes qui, ensuite, avec diverses conditions, eh bien, vont donner un effet. Donc, ces causes et ces effets, ou encore ce fonctionnement du karma, eh bien, il s'agit d'en être conscient et de voir, en fait, d'être lucide quant à la façon dont nous nous relions ou avec quoi nous nous lions au cours de la journée. Si nous sommes lucides, nous pouvons alors, ou la lucidité plutôt, nous permet de prendre soin de ce que nous faisons, alors qu'au contraire, le manque de lucidité fait que nous pouvons facilement nous lier à une action ou un acte néfaste et donc avoir à en éprouver les conditions néfastes également. Nous vivons avec les tendances et les habitudes, les schémas mentaux qui sont les nôtres. Et donc, pour ceci, la méditation va nous permettre de... nous permettre d'acquérir une capacité à être davantage lucide de cela. Et c'est ce qui est alors un changement pourra être envisageable au niveau de notre façon d'être, de fonctionner. Alors, bien sûr, ça ne sera pas un changement total, mais il y aura un changement au niveau des habitudes, et c'est ce qui nous permettra de naturellement réduire les causes de mal-être. So, I just try to give you a little bit like one picture, you know, like an example. This example is I try to explanation basic karmic and conditions, you know. So, like this picture, I think covers everybody's situation. So, for example, individually, for example, myself, one person, myself, whatever I do doesn't work so much. You know, whatever I say, people don't agree so much. What I try to do, achieve of the what my goal, doesn't work so much. And then there is a lot of problems rise. You know, problems rise. It's a very simple talk about, not big things, Pablo Rice. So, and also, sometimes not so happy, not so easy. You know, this kind of very generally our life. So now, individually, we wish, we want to be, achieve whatever we want. Whatever we say something, appreciation by the people, whatever I do, appreciation of the people. You know, we expect this, but according with what my expectation doesn't work very well, you know. So these things are common happening sometimes. But then what I'm talking about before, when you see this... You said this is common happening. It's common happening. Sometimes happening. Mm-hmm. Okay. So when this kind of is happening, my like individually myself, this kind of happening, then I live there. I try to change my, how you say, attitude, action, perceptions. Try to understanding, you know, not try to push this way, but try to change myself. You know, so change myself. That means first what I will change. I try to develop a little bit of bodhicitta. I develop a little bit of compassion. And then I try to do a little bit like positive things. And not like several times and just wait, not like this. Try to change your own personality, your own way of life, you know. So if you do this, I mean, there's no miracle. Take time. But slowly what you doesn't fulfill slowly comes, you know, naturally. Like, for example, it takes years, maybe it takes some years. But slowly your kind of, whatever we look, more or less a certain percentage you fulfill. And also what you do, people's appreciation, vision is better. These things could happen, you know.
So now, normally we don't think, we don't know this, but if you try to listen to the really teaching of the Dharma, and the Buddha says, you know, way of thinking, way of action, way of connecting with the people, if you change a little bit like positive way, then slowly your way of life conditions are changed, you know, not necessary to be negative. J'ai juste essayé de vous donner une image ou un exemple pour justement montrer comment ce fonctionnement karmique de base fonctionne avec les conditions qui y sont rattachées. Je vais prendre juste un exemple auquel tout le monde peut s'identifier. Par exemple, on peut finalement, dans tout ce que l'on va faire, tout ce que l'on va mettre en œuvre, il n'y a rien qui va fonctionner. Ça peut arriver. Ou encore, dans toutes les paroles qu'on va pouvoir prononcer, soit elles ne sont pas comprises, ou elles ne sont pas prises en compte par les autres. Ou encore, à chaque fois que vous essayez d'atteindre un but ou d'accomplir un objectif, eh bien, en fait, vous n'y parvenez pas. Ou encore, vous rencontrez toujours tout un tas de problèmes dans la vie. Alors, je ne parle pas en fait de graves problèmes, de choses assez insignifiantes, mais qui viennent toujours en fait créer des perturbations. Ou encore, vous pouvez ne pas être très, très heureux ou faire que la vie en général en fait ne se déroule pas comme vous le souhaitez, ne soit pas simple. En fait, d'une façon individuelle, en règle générale, nous essayons tous d'accomplir justement le but que l'on se fixe. Ce que l'on fait, c'est pour essayer d'accomplir quelque chose. Et puis, bien sûr, ceci est lié, donc il y a cette forme de désir de vouloir accomplir quelque chose. Et puis, ceci est lié également à une forme d'avoir une reconnaissance des gens, une reconnaissance des autres. Et puis, bien sûr, en lien avec ces deux aspects, alors, il y a tout un tas d'attentes et d'espoirs qui se construisent dans l'esprit, qui s'échafaudent dans l'esprit, et qui fait que finalement, souvent, les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Cet exemple, c'est en fait juste l'exemple de ce qui nous arrive à tous. C'est quelque chose de très commun. Alors, ce que l'on peut faire alors dans ce cas-là, eh bien, c'est d'essayer de changer notre façon, d'essayer de nous changer nous-mêmes. C'est-à-dire d'essayer qu'un changement s'opère au niveau de notre état d'esprit, tout d'abord, au niveau de notre façon de percevoir, de comprendre les situations, les autres, et également au niveau de notre action, de nos actes. Et donc, pour que ce changement puisse s'opérer, eh bien, la première étape est déjà de générer de la compassion, de générer ce que l'on appelle la bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Et d'une part, ensuite, d'autre part, eh bien, d'essayer d'agir de manière bénéfique, c'est-à-dire de faire des actes vertueux ou bénéfiques. Et ceci, bien sûr, il ne s'agit pas simplement de le faire de temps à autre, et puis ensuite d'attendre que ça vienne, que quelque chose change au niveau de nos conditions. Et il s'agit en fait de véritablement changer notre personnalité et notre façon d'être dans la vie. Et ceci va prendre du temps. Cela va prendre du temps, mais progressivement, nous allons voir que finalement, tout ce que nous ne parvenions pas à réaliser ou à réussir, eh bien, va petit à petit réussir, et ce, de façon naturelle. Alors, bien sûr, ça risque de prendre des années, mais nous allons voir au fur et à mesure du temps que ce que nous n'arrivions pas à véritablement, là où nous n'arrivions pas à avoir du succès, ou que nous n'arrivions pas à véritablement réaliser, eh bien, va finalement connaître un certain pourcentage de réussite. Et puis peut-être qu'aussi,
la reconnaissance des autres va être un peu différente. Il y a une forme d'appréciation des autres, de ce que l'on est ou de ce que l'on fait, qui va se mettre en place, qui sera meilleure qu'avant. Et donc, l'idée est d'écouter les enseignements du Dharma, les enseignements du Bouddha, et voir justement quelle était pour le Bouddha la façon de penser, la façon d'agir et la façon de se relier aux autres. Et en essayant de mettre ceci en œuvre, eh bien, un changement va s'opérer, un changement vers quelque chose de bénéfique ou de positif. Et c'est ce qui fait que nos conditions de vie vont aussi évoluer. So now, way of changing is, I would say, not immediately saying you change yourself, move slow down and reduce the living condition, and restrict the food. Not saying these kind of things. You know. Of course, this will come naturally sometimes, but it's not necessary. You said move slow down, restriction and food. Yeah, like changing move, restriction. I mean, making modest, and then you kind of this kind of we immediately concept mm-hmm. will arise. Mm-hmm. I'm not saying this will come naturally, maybe not necessary also, but what I change is change my state of mind. You know, first, if you change state of mind, then your communication, vision to others, everything will change. You know, so in order to change your state of mind. In the teachings, when you listen to teachings, Buddha's teachings, always there is an emphasis. Everybody has Buddha nature, means wisdom. But wisdom is kind of direct by the, wisdom is direct by the emotions, you know? But emotions are sometimes when you read teachings like this, also they using term defilement. You know, we don't think emotions defilement. Emotions also your character. So when you want circumstance, you touch in your mind and your character obscurate your mind. Then following this task, then mind is. Unstable, either extremely good, happy and good things, or other lot of suffering and bad things, you know. So therefore, just try to look at your own mind, how functioning, like yourself, others, and then due to the different circumstance, how I feel, what I think, how I connect with these conditions. If you try to look a little bit, kind of very, it has to go very naturally. And naturally, and also when you look not just like this, how to link with your emotions, you know. I don't think you will see the your Buddha nature, but you can perceive emotions, you know. So then how rise the emotion and which circumstance makes feel positive, which circumstance makes feel disturbed and negative. You know, if this need to be very familiar, you know. There's one, I listened to general things. Actually, one interesting is related with this one interesting, always like His Holiness Dalai Lama always talk about middle way. You know, middle way means don't go too side, just see the truth. You know, so I think when we look at emotions and link with others, you have to keep in mind middle way. You don't need my preference or my favorable, not go this direction. Just you have to see very middle way function of your emotions. Then you really get the points, you know. Lorsque je parle qu'un changement s'opère,
Je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit de vous pousser à changer quelque chose immédiatement. Parce qu'en fait, quand on entend ça, on va se dire, ah, il faut que je marche plus lentement, que je ralentisse le rythme, que je fasse attention à ma nourriture, que je me restreigne par rapport à la nourriture, ou encore que, ah oui, je sois plus modeste, je me comporte de façon plus modeste. Il y a tous ces concepts, en fait, qui vont s'élever dans l'esprit. En fait, ceci va peut-être venir, mais de façon, tout à fait naturelle. Et peut-être pas. Lorsque je parle, en fait, du changement, je parle d'un état d'esprit. Un état d'esprit qui va faire que notre façon de voir les autres, de percevoir les autres, et notre façon de communiquer avec eux va changer, va se modifier. Pour qu'un changement s'opère au niveau de notre état d'esprit, il s'agit en fait donc de regarder l'enseignement du Bouddha, de faire référence à l'enseignement du Bouddha, qui met l'accent sur le fait que tous les êtres sensibles ont la nature de Bouddha. En d'autres termes, sont par nature sagesse. Tous les êtres sensibles ont cette ou sont par nature sagesse. Cependant, cette sagesse, elle est orientée par les diverses émotions qui vont nous traverser. Alors, parfois, ce terme d'émotion est traduit par défaut, mais en fait, c'est pas ainsi qu'il faut l'envisager. Il s'agit plutôt de l'envisager comme étant une des caractéristiques de notre esprit. Et lorsqu'il y a une circonstance, lorsque l'esprit rencontre une ou plusieurs circonstances, eh bien, alors, cette caractéristique prend le dessus et vient obscurcir l'esprit. Et elle nous influence de telle sorte que nous allons la suivre, et c'est ce qui va rendre l'esprit instable. C'est-à-dire que parfois nous allons être heureux ou rencontrer une certaine forme de contentement dans l'esprit, et d'autres fois au contraire, ce que nous allons, du fait donc, de cette orientation influencée par l'émotion, nous allons rencontrer une forme de situation malheureuse ou encore expérimenter du mal-être. Il s'agit donc ici d'essayer de regarder notre esprit et la façon dont il fonctionne. Il y a donc moi d'une part et puis les autres d'autre part. Et avec ce moi et ces autres, il y a autour de cela tout un tas de circonstances diverses. L'idée est d'essayer d'observer, d'identifier ce qui se passe en moi dans cette relation entre moi et les autres. Bien sûr, ceci doit prendre place de façon très naturelle. Il s'agit juste simplement de poser le regard sur notre façon de nous relier en fonction des circonstances, avec quel type d'émotion nous sommes liés, à quel type d'émotion nous sommes reliés. Pardon. Je ne dis pas que vous allez voir votre nature de Bouddha, je ne pense pas, mais ce que vous allez percevoir en revanche, eh bien, c'est l'émotion qui s'élève, qui va se développer. Comment elle prend naissance, en fait ? Quelles circonstances vont générer une forme d'émotion positive ou bénéfique et quelles circonstances vont générer au contraire une émotion perturbatrice ou néfaste. Il s'agit en fait d'être très familier avec le fait d'identifier précisément ce qui se passe dans l'esprit. Il y a un aspect intéressant en lien avec cela, c'est que souvent le Dalai Lama va parler de la voie médiane. C'est-à-dire qu'il explique qu'il s'agit de ne pas aller dans l'un ou l'autre extrême, mais au contraire d'essayer de voir la vérité en fait de l'émotion, et donc de rester en cela dans une forme de voie médiane qui n'est pas emportée d'un côté ou de l'autre. Donc il s'agit en fait dans notre interaction avec les autres de voir comment garder l'esprit justement dans cette voie médiane, dans ce milieu.
Et c'est ce qui, c'est-à-dire de ne pas immédiatement être emporté dans des aspects défavorables. Lorsque l'on parvient à garder l'esprit dans cette voie médiane, le fonctionnement émotionnel nous apparaît de façon plus claire et nous parvenons à vraiment comprendre le point essentiel. Now, when I say this, and somebody asks me, how you do, you know? How you do? So then, what I give answer? For example, if I go to one town, you know, town, I don't know so much this area, I just go to town. I buy something, you know, buy some kind of, I don't know the price, anything, I just buy something. So then, sometimes the sellers are, some are not loud, but a certain area, when they're loud, they cheat, they can cheat. You know, if I buy one object, value of the regular regulation of the object or value is like 20 euros. This main charge maybe three times more, means 60 euros or 80 euros if you charge. So I believe I pay. When you come back, I discover it is only 20 euros, you know. So then what I will think, you know, what I will think? First, I'll be very upset, you know. And also anger to the person, you know, anger to the person, upset. And also normal, this is also normal, it's not special, it's normal. And also try to revenge the person, you know, through the, like, image or like some kind of scandal, or go to the police and inform or whatever, try to the revenge to the person, you know. This is normal also. It's a right to do. But then we talk about now, in the question, if somebody question, I say at this example, what I would do is first, I get angry, I feel unfair, I feel it should not be, it's right. My mind can be disturbed. But first, I try to leave this, I try to see, focus to my mind, you know. Why I'm get upset, you know? Of course, immediately you are cheated, that way upset. Yes, this is a cheated, upset, but we talk about emotionally. My anger and upset is where they're connected. Normally people don't know how to do this. So there is few, if you beginning, you are a little bit confusion, you cannot see which connected. But if you try to analyze a little bit, refer with the teachings, then you can see few options. I'm upset due to my pride, you know. I don't want to be a loser. That's why I'm upset, due to my pride. Or I attachment to my money due to this. Or anger to the people's misbehaving. You know, these three, you know, which one related with this circumstance, you know. If you try to look this, difficult to find, but if you try to slowly, not immediately, because you are, the mind is disturbed. So a little bit let calm, and slowly this happening, I got angry, I feel bad, but with emotionally, this, sometimes I use this emotional concept, you know, conceptual. So we're connected. Then according with your understanding, according with the situation, slowly you see, I really upset, depends on personality. So really you upset, you are weak, you know, you are not clear, mind is not sharp enough, you couldn't see, you couldn't argue, you are weak. Due to this, my pride, you know, due to my pride, so upset, you know, this one. Maybe not this, maybe like anger to the person, you know, person's misbehavior, anger. Maybe too much attachment of the money, you know. So this, one of these three things makes you in order to disturb the other person, you know. So you can see this.
You know? So now, other person's wrong also, but if you follow in your emotion, you could create also negative things, negative thought, negative action, and try to harm others. This is normally we say, you are right, but doing harm others makes little disturb. This creates also negative karma. So negative karma also you see, if negative karma, I do the negative, there is result. This result will kind of link with myself also later, not immediately, but we talk about the cause and fact, interdependent, then also can link with me. So when you see gobble, you see, then slowly I'm not really reason to be angry. You know? You see, this is the, you know, there's few steps. This is the second step. I mean, I'm just using example myself, my mind. So these kind of things, slowly you can see. Now, in order to look this, you should not go my side, the other side, very middle way of function of the state of mind, like the same as researching, you know, like a kind of a, any kind of research. Try to see the truth, not try to go to the side. You know, side means my emotionally, my everything I'm right, other wrong, you know. So not go this. If you really look, then you get a kind of a evidence and truth you will see. Not nice things, but you can see the truth. When you see the truth, you have another idea, another vision. Oh yes, now I see how we are creating negative causes. In case this creating negative causes, of course negative result will come. You know, you slowly you're aware of this. If somebody says there is a lot of argument, but discover by yourself, then there is no argument. Get very clear, you know. Alors, nous disons, bien sûr, je dis cela, maintenant la question qui peut se poser, c'est comment faire, comment mettre cela en œuvre. La réponse est donc, eh bien, par exemple, prenons un exemple, si je me rends en ville, une ville que je ne connais pas particulièrement, et que je souhaite acheter quelque chose, et je ne connais pas non plus vraiment la valeur de cet objet ou de cette chose que je veux me procurer, j'en connais pas le prix. Et admettons que cet objet vaille 20 euros, mais que finalement, la personne qui me la vende trois fois ce prix-là et me la vende 60 euros. Alors, bien sûr, ne connaissant pas le prix initial, je vais croire le vendeur et puis bien, simplement acheter pour trois fois le prix initial. Et puis, quand je rentre à la maison, bien, en fait, là, je vais découvrir en fait, le véritable prix de cette pièce. Et alors, en découvrant que je me suis fait arnaquer, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit ? Eh bien, forcément, le premier mouvement est une forme de mécontentement et également une forme de colère vis-à-vis du vendeur. Et ceci, en fait, est une réaction tout à fait normale. Et puis, je vais peut-être essayer de me venger. En essayant de porter atteinte à son image ou de créer un scandale, je vais essayer d'aller à la police, d'informer les autres, etc. Ça aussi, c'est tout à fait normal et nous avons tout à fait le droit de le faire. Maintenant, si quelqu'un demande, mais alors donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre, l'idée ici est d'essayer justement de regarder ce qui se manifeste en moi, en nous. C'est-à-dire qu'il y a d'identifier en fait ces mouvements émotionnels qui sont en présence. Il y a effectivement une forme de colère, une forme d'injustice, nous sommes perturbés ou troublés. Tout ceci est normal. Mais l'idée est d'essayer de laisser cela en fait de côté, de laisser ce mouvement en fait de côté
et pour finalement nous tourner vers notre esprit et essayer de voir pourquoi nous sommes mécontents. Alors, bien sûr, la première réponse va être, eh bien, parce que je me suis fait avoir, parce que je me suis fait arnaquer. Mais l'idée, en fait, n'est pas d'en rester là. L'idée est d'essayer d'aller voir un peu plus loin et d'aller voir, en fait, qu'est-ce qui se passe à un niveau émotionnel. De voir, justement, à quoi cette colère ou ce mécontentement est relié en termes d'émotion. Alors, au début, tout est un peu confus et on ne peut rien voir parce que l'on est trop pris par l'émotion. Mais en laissant reposer un peu et en prenant comme référence les enseignements, nous pouvons nous rendre compte que nous avons trois options. Nous pouvons être mécontents du fait de notre orgueil, d'une part, ou encore du fait de l'attachement, d'autre part, ou encore du fait d'une certaine colère que l'on peut nourrir vis-à-vis de certaines personnes. L'idée est donc d'essayer de regarder à laquelle de ces trois ou auquel de ces trois types d'obscurcissement affligeant l'esprit est alors lié par le biais de cette circonstance, c'est-à-dire cette circonstance a déclenché en fait lequel de ces trois types d'obscurcissement affligeant. Alors c'est quelque chose qu'il est difficile d'identifier de prime abord. Parce que l'esprit est tout d'abord dans un état troublé ou perturbé. Mais progressivement, vous allez en fait parvenir à voir un peu plus clair. C'est-à-dire que j'utilise souvent ce terme de mouvement conceptuel et émotionnel. C'est-à-dire que vous allez parvenir à voir plus clairement où, à quoi est relié ce mouvement conceptuel et émotionnel. Et grâce à votre compréhension, vous allez peut-être voir que, grâce au fait que vous identifiez, vous vous rendez compte, par exemple, que c'est parce que vous étiez dans une forme de position de faiblesse, c'est-à-dire que votre esprit n'était pas assez aiguisé pour répondre dans la situation, et vous n'avez même pas pensé ou même pas su comment répondre à la situation. C'est une possibilité. Ou encore, vous pouvez voir que du fait de l'orgueil, c'est l'orgueil blessé, un peu touché, va venir créer du mécontentement. Ou encore le fait d'être en colère vis-à-vis de ce vendeur, en fait, et de l'erreur intentionnelle qu'il a accomplie. Ou encore, vous pouvez également voir qu'il s'agit de trop d'attachement à votre argent, par exemple. Il y a donc ces trois aspects qui viennent en fait créer cette forme de perturbation vis-à-vis de l'autre personne. Alors bien sûr, je ne dis pas que l'autre personne a raison, il y a un acte néfaste qui a été accompli, mais si l'on suit ce mouvement émotionnel, en fait, finalement, on va ne faire que créer davantage de pensées néfastes qui vont être suivies par des actes néfaste. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, en voulant répondre à cette situation, on ne fait que finalement créer du karma néfaste qui aura un résultat, eh bien, pour soi-même, un résultat néfaste pour soi-même. Alors, bien sûr, ça ne sera peut-être pas immédiatement, mais plus tard, il est certain que ce karma néfaste va se manifester. C'est la raison pour laquelle je parlais de bien comprendre le fonctionnement des causes et des effets, ainsi que de la manifestation en dépendance. Il s'agit d'avoir en fait toujours une vision ou un aperçu global. Et si nous parvenons à voir les choses ainsi, à considérer les choses ainsi, nous comprendrons qu'il n'y a finalement pas véritablement raison d'être en colère. Mais pour cela, il y a plusieurs étapes à gravir ou à franchir, et c'est ce qui nous permettra progressivement de pouvoir voir ce qui nous appartient d'une part, ce qui appartient à l'autre d'autre part, et surtout de rester dans une forme de voie médiane, c'est-à-dire que nous centrer, en fait, reste au centre.
C'est un peu finalement similaire à une forme de recherche scientifique, c'est-à-dire que nous essayons de voir la vérité et de voir les différents aspects de cela. Alors, ce qui se passe en premier lieu, c'est que bien sûr, mon émotion me dit que j'ai raison et que l'autre a tort. Mais l'idée, en fait, n'est pas de rester à ce niveau-là, mais de voir la vérité de ce qui se passe dans mon esprit. Et ça, peut-être que ce n'est pas tout à fait confortable ou tout à fait agréable, mais en fait, alors, nous sommes vraiment dans la vérité de ce qui se passe au cœur de l'esprit. Et c'est ce qui nous permettra de voir que si nous suivons l'émotion prédominante, eh bien, nous allons créer finalement nous-mêmes également un acte néfaste qui aura donc créé une cause néfaste qui aura un résultat ou une conséquence néfaste. Et mener cet examen aura pour conséquence bénéfique que nous découvrons par nous-mêmes ce fonctionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous le pointer. Quand c'est le cas, en général, ce n'est pas quelque chose qu'on va forcément accepter. Mais en fait, c'est une découverte et une reconnaissance par soi-même et donc qui est extrêmement claire. So when you discover yourself that way, then your visions change, you know. For example, you lose some money, you know. Money, usually we are upset. You are cheated, you are upset, you know, these things is normal. But when you discover this, then you say reality due to the different type of emotions, when you don't see, and in order to achieve, in order to win yourself, we act according with the method, then we harm others, harm myself. What harm myself? It's a negative. We will never do positive, we will do negative. So this resolve kind of remains with you if you harm others. And then you continue same direction. Any kind of other problem comes, same, you know. But when you wear this, there is one very much appreciation, because I saw this, I see the reality, actually I learned something. When you see that, when you learn something, you will be fulfilled, you know? Because we generally pay a lot of money, we try to learn something, we learn, we are happy, you know, like this. Like, so you see somebody disturb you, but you reflect yourself, you learn something. So this makes you a win, actually. And also when you feel good, you don't see so much negative to the others. Due to his cause, I got to learn something. And the second step is I don't want to make him trouble. And third step is I wish him help a little bit this person, this kind of person, because if they know something very valuable for the human beings, you know, due to the not knowing, then doing wrong things, creating negative karma, then they have to face suffering. So there is one kind of compassion rise. I wish to help these people understand a little bit better, not only this person, but many like this. And also you understand, you are kind of a little bit kind of certainty. If you look my mind, there is a lot of you could learn, and you liberate it of the complicates, suffer, anger, you know. Learn and sorry. You learn something. Yes. Then this makes it very kind of a certainty, very how you say, appreciation, you know. Et quand cette découverte, quand vous découvrez cela par vous-même,
alors votre vision de la situation, votre vision des choses change. Et bien sûr, il peut, du fait de cette perte d'argent, il peut y avoir une forme de mécontentement parce qu'on a été trompé, parce qu'on a été arnaqué. C'est tout à fait normal. Mais le fait de découvrir cela fait que l'on est en lien avec la réalité de ce qui se passe en nous. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est influencé par une forme d'émotion. Et le fait justement de ne pas succomber à ce mouvement émotionnel et de voir les choses, la vérité telle qu'elle est, de ce qui se passe en fait en notre esprit, eh bien finalement, c'est nous qui sommes gagnants. C'est-à-dire que... parce qu'en fait, si l'on ne voit pas, si on ne fait pas attention justement à ce qui se passe dans notre esprit, alors on va dire qu'on est en droit de faire ceci et faire cela, il n'y a pas de problème et c'est ce qu'on va suivre. Sauf qu'en général, cette réponse en lien avec le fait d'être en droit de faire ceci ou cela, en fait, va soit nuire à d'autres et nuire également à soi-même. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en général, en faisant cela, parce que nous avons le droit de le faire, eh bien, nous créons, en fait, en général, c'est des choses néfastes qui sont créées. Ce ne sont pas des choses bénéfiques ou positives. Et donc, ce qui se passe, c'est que si l'on nuit à d'autres, eh bien, on nuit par extension également à soi-même, parce que ça va nous revenir à un moment ou à un autre. Et c'est la même chose, en fait, avec tous les différents problèmes que l'on peut rencontrer. Si l'on est... au contraire, lucide quant à ce qui se passe dans notre esprit, il y a une forme d'appréciation qui est là, de reconnaissance. Cette reconnaissance est liée au fait de voir véritablement la réalité telle qu'elle est et, en fait, finalement, d'apprendre quelque chose. C'est-à-dire que nous apprenons quelque chose de cette situation pour nous-mêmes. Et ça, c'est un sentiment qui vient nous combler, en fait. En général, on va toujours aller dépenser des sommes importantes d'argent pour apprendre quelque chose et puis après, on revient, on est content, on a appris quelque chose. Mais en fait, là, c'est exactement le type de situation qui peut, en fait, sans rien avoir finalement à dépenser, qui peut simplement nous permettre d'apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Si l'on parvient justement à voir ce qui vient, en fait... Qu'est-ce qui est touché en vérité en nous-mêmes ? Nous avons alors appris quelque chose de nous-mêmes. En d'autres termes, nous sommes gagnants. C'est nous qui sortons gagnants de cette situation. Et sortir gagnant d'une situation, eh bien, en fait, fait qu'on se sent aussi beaucoup mieux de façon générale. Et que l'on ne va pas être autant enclin à agir de manière néfaste envers les autres ou l'autre. Et donc, finalement, la deuxième étape va donc être eh bien, simplement de ne pas être perturbé par tout cela. L'esprit n'est pas perturbé. Et ensuite, une troisième étape sera de souhaiter aider finalement cette personne qui était, on va dire, l'arnaqueur, le vendeur arnaqueur, eh bien, d'essayer finalement de pouvoir l'aider, de pouvoir peut-être l'amener à comprendre une certaine valeur, le fait que peut-être qu'il crée, ou en tout cas souhaiter qu'il comprenne cela, souhaiter qu'il comprenne que le fait de créer des actes néfastes, eh bien, résultera en conséquences néfastes, en d'autres termes, en mal-être, et que ceci, en fait, lui reviendra, et donc nous souhaitons que lui-même, et puis d'autres qui peuvent peut-être agir de manière similaire, eh bien, comprennent mieux ce qui se passe. Donc, lorsque l'on regarde notre esprit, en fait, c'est là où nous apprenons quelque chose. C'est une source d'apprentissage que de tourner le regard vers ce qui se passe dans l'esprit. Et sur cette base-là, il y a une certaine certitude qui est acquise, ainsi qu'une véritable appréciation ou reconnaissance. So, this kind of reflection then develop bodhicitta, you know, bodhicitta. You don't, due to bodhicitta, you don't want to harm other people. You want to help, you know. The help, you know. And due to this compassion,
and proper conduct, patience, all these teachings are, then naturally you can develop, you know. So then accumulation of this, creating a lot of positive seeds, negatives reduce, and for positive seeds, result of the positive, you are facing less suffering, you know. C'est ce type de réflexion, en fait, qui conduit à développer l'esprit d'éveil, la bodhicitta. En fait, du fait de l'esprit d'éveil, la bodhicitta, en fait, nous ne souhaitons pas nuire aux autres, mais plutôt, au contraire, leur apporter notre soutien, leur apporter notre aide. Et donc, du fait de cette compassion, eh bien, notre conduite éthique va également s'en trouver renforcée. Nous aurons davantage de patience, etc. Également. Et donc, naturellement, toutes ces vertus vont pouvoir prendre place et croître en nous. Donc, et l'accumulation de ces vertus va créer, en fait, beaucoup de bienfaits. Et au contraire, va permettre que les méfaits ou les actes néfastes diminuent. Et donc, si cela crée beaucoup de bienfaits, eh bien, cela signifie simplement que les résultats ou les conséquences que nous rencontrerons seront de plus en plus bénéfiques. Et donc, si elles sont de plus en plus bénéfiques, cela signifie que nous avons à moins faire face à du mal-être. So through this, you can see there is a sentence. We are so much kind of linked with the deep desire. So due to the desire, duality. Due to the duality, rise emotions, and we don't know. We act with negative things, and the result of